Le plus culte des félins a pris ses quartiers à Bordeaux. Sur 450 mètres au bord de la Garonne, le chat déambule au rythme des clichés des appareils photo. Une exposition monumentale qui ravit ses spectateurs. Une agréable surprise parce que je connaissais l'exposition parisienne et j'avais pas noté qu'elle était bordelaise maintenant. Et donc c'est avec plaisir que j'ai retrouvé le chat de Gueluc. C'est vraiment superbe. Bordeaux, c'est magnifique de toute façon. J'étais pas venue depuis un an, depuis le confinement à peu près. J'habite pas loin, je suis à Gradignan, donc c'est vraiment très très bien. C'est une très bonne idée. J'ai vu que ces messieurs belges sont en train d'installer des jets d'eau dessus. Enfin, c'est super. Au total, 20 statues de plus de 2 tonnes ont été installées pour l'occasion. Après les Champs-Élysées à Paris, Bordeaux est la deuxième ville à accueillir l'exposition. Un choix du cœur pour son créateur. J'ai une longue histoire d'amitié avec Bordeaux puisque le journal Sud-Ouest a été le premier à publier les strips du chat en 86, je crois, que très peu de temps après la naissance du personnage dans les pages du Soir à Bruxelles. Et Sud-Ouest a été le premier en France. Donc il y a un attachement qui s'est créé à ce moment-là. J'y ai lié des amitiés, des complicités et puis ça s'est fait naturellement. Après les Champs-Élysées et la plus belle avenue du monde, on est à Bordeaux sur le plus beau quai du monde. Officiellement inaugurée aujourd'hui, l'exposition du célèbre chat sera présentée jusqu'en septembre prochain, avant de passer l'hiver à Caen.